Salut tout le monde, c'est Erwan Avray. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo du débrief tout simplement de la mi-saison du HAC, la mi-saison 2023-2024 de Ligue 1 Uber Eats. Donc voilà, le débrief, c'est parti. C'est parti donc, alors oui, déjà la saison du hack. Ça y est, le hack est de retour en Ligue 1. Alors, la dernière saison de Ligue 1 remontait à la saison 2008-2009 avec une dernière place au classement. Un an après la montée, le hack redescend en Ligue 2, une Ligue 2 pour la saison 2009-2010. Et depuis, le hack avait enchaîné des saisons de Ligue 2, pas toujours très sympathiques, hein. Il y a eu divers problèmes, notamment le match contre Bourg-en-Bresse où on monte pas à cause d'un but, à la différence de but au classement. Je pense aussi à tout ce qui s'était passé à Ajaccio en barrage. Voilà, j'ai vécu beaucoup de choses avec le HAC. Il y a eu le changement, stade Jules Deschazeaux, stade Océane aussi, qui a été un changement très important en 2012 pour le club. Mais voilà, toujours avec une attente très particulière, celle de retrouver l'élite le plus vite possible. Malheureusement, il aura fallu des années pour que le HAC puisse la retrouver. Après une saison dernière exceptionnelle où le HAC termine champion de France de Ligue 2 pour la sixième fois déjà de notre histoire, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, ouais, le HAC qui a réussi à briller la saison dernière. Alors on le sait, après avoir brillé lors d'une saison de Ligue 2, la Ligue 1 arrive et il faut s'y préparer. Préparer au niveau du mercato, préparer mentalement aussi. On le sait, ça va pas être une saison facile. Je m'étais dit de toute manière que ça allait pas être une saison facile, mais il y a un truc où j'arrivais à être optimiste, c'est de me dire que généralement quand une équipe arrive à monter, elle est un peu dans l'euphorie de la montée, notamment sur les premiers matchs de la saison, et avec cette euphorie, avec cette joie et voilà, avec la motivation aussi, généralement elle arrive à avoir de bons résultats. Là où j'ai un peu plus d'inquiétude, c'est par la suite. Alors déjà donc je vais essayer un peu de me retrouver sur ce début de saison. Premier match en Ligue 1 depuis 13 ou 14 ans. 14 ans, me semble-t-il, de mémoire, pour le HAC. Donc avec un déplacement au stade de la Mosson de Montpellier. Et le HAC va nous chercher un match nul. 2-2 va nous rapporter un point. On avait enchaîné par la suite lors de la deuxième défaite. Premier match au stade d'Océane. Une défaite 2 buts à 1 contre le stade brestois. Il y a eu le match contre Rennes en troisième journée où le HAC était mené et on a réussi à remonter à 2-2 et étant même à 10. C'était assez incroyable, d'autant plus que Rennes sur le papier, c'était une équipe très forte, très compétitive. Puis voilà, il y a eu cette excellente victoire, cette première victoire de la saison. 3-0 contre le FC Lorient. Donc celle-ci nous a fait énormément de bien. Il y a eu des bons résultats, des moins bons. Je pense à la victoire contre Clermont 2-1, où on fait pas un super match, mais on arrive quand même à s'en sortir. Puis il y avait eu la trêve internationale par la suite qui nous a fait un peu de mal. Donc on a eu le match contre Lille. Lille où on perd 2-0, hein, ça avait été un match très difficile. Et la semaine d'après, pour moi, c'est l'un des pires matchs de tout simplement de notre phase aller. L'un des pires, c'était contre Marseille. On perd 3-0 à 10, hein, on se prend le rouge très tôt dans le match. Mais voilà, en tout cas, contre Marseille, on avait fait un non-match. Hein, on s'était pas battu comme on sait le faire. Contre Lens, on aurait mérité de gagner. Contre Metz, on aurait mérité de gagner moins que Lens quand même. Hein, j'y étais à Metz. C'était moins flamboyant, mais en tout cas, contre Lens, on fait 0-0. C'était pas mal. La victoire contre Toulouse, alors qu'on perd 1-0, on arrive à faire un comeback de 2-1 grâce à un doublé de Mohamed Bayo. L'excellent match contre Monaco, mais ce dernier pénalty qui nous laisse tellement de regrets avec le pénalty raté de Samuel Grandsir. Le match contre Nantes, évidemment, où pour moi, je pense qu'on ne fait pas un super match. Le match contre Paris, voilà, on perd 2-0, mais on domine le PSG, en tout cas sur les stats et tout, et on aurait mérité vraiment de gagner. Strasbourg, voilà, on perd dans la dernière seconde, pas de chance. On a une excellente victoire contre l'OGC Nice 3-1 qui donne beaucoup d'espoir. Et puis ce match contre le Stade de Reims, dernier match d'ailleurs de la phase aller, où on fait une première mi-temps vraiment pas bonne. Et on se prend encore une fois un rouge. Donc voilà, c'est Rassou Ndiaye qui prend un rouge cette fois-ci.
un but pour un. C'est d'ailleurs ce match qui laissera plusieurs regrets, puisqu'en deuxième mi-temps, le HAC avait la place pour marquer des buts. Donc voilà, le bilan est clair, net, précis. Aujourd'hui, le HAC au classement, en tout cas en Ligue 1, est 11e avec 19 points, 4 victoires, 7 défaites, 7 matchs nuls pour 6 défaites. Donc est-ce que le début de saison, en tout cas la première partie de saison du HAC est réussite? Évidemment que oui. Comment ne pas être content, évidemment, de voir le HAC être classé 11e de Ligue 1 à la mi-saison? Voilà, on peut que s'en satisfaire, hein, parce qu'on aurait pu être dans une situation bien plus inconfortable. Maintenant, on le sait, hein, la Ligue 1, c'est dur, c'est extrêmement serré. Actuellement, les trois derniers, c'est Clermont, dernier avec 11 points. On retrouve Lorient, avant-dernier avec 12 points. Et on retrouve 16e, le Toulouse Football Club, actuellement barragiste avec un total de 14 points. Donc, voilà, il y a seulement 5 points d'écart entre le barragiste et le HAC. Le premier non relégable, c'est Lyon. C'est Lyon qui a fait une petite remontée d'ailleurs en fin de phase aller avec 16 points. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est seulement 3 points d'écart entre le premier non relégable, le premier sans danger, et le HAC. Donc ça prouve une chose, c'est que la Ligue 1, elle est très serrée. Et au contraire, même au-dessus, c'est extrêmement serré pour vous dire. Marseille actuellement, donc Marseille est 6e actuellement avec 27 points, donc ça fait seulement 8 points, 8 points d'écart entre l'OM 6e et le Havre 11e. Donc comme on peut le voir, on est un petit peu au milieu, on est à la fois entre les top teams et entre les équipes en difficulté. On fait un peu, on est une équipe dans la moyenne et ça, bah, c'est satisfaisant. C'est là où pour moi le HAC bah, est pour le moment dans une situation très confortable, hein. Finir 11e ou plus, hein. Ben je prends, l'objectif est clair, c'est le maintien. Maintenant, si on doit parler de cette phase aller, je garde quand même quelques regrets. Ces quelques regrets, c'est des points perdus, des points perdus. On a plus de points perdus, et donc forcément, ça me laisse aussi me dire que oui, le HAC en avait encore sous la pédale. Voilà, je pense qu'on a eu des points qu'on aurait dû avoir en plus. Lyon fait match nul, mais on doit gagner le match. Voilà, il y a Monaco, on fait match nul, mais on doit gagner le match. Lens, on fait match nul, mais on doit gagner le match. Voilà, de mémoire, on a quand même pas mal de rendez-vous, pas mal de matchs où on aurait pu gagner, ou au moins faire des nuls, pour remporter un peu plus de points et se retrouver dans une situation encore un peu plus haut classement. Bien sûr, je suis sévère avec les joueurs, mais voilà, c'est vrai que enfin, je suis content de ce que le HAC est en train de faire. On a des difficultés, on le savait, on a réussi à super bien débuter le début de saison, puis après, bah, on a eu un creux où ça a été un peu plus difficile. La victoire contre Nice nous a fait énormément de bien, quand même, malgré la défaite en enchaînement à Reims, mais bon, ça, voilà, c'est à oublier, c'est à mettre de côté. Voilà, il y a des problématiques, ouais, qui est le problématique offensive, notamment, parce que dans le jeu, j'ai rien à dire, hein, c'est du quasi parfait, enfin, voilà, je veux dire, on n'est pas on n'a pas une équipe. La meilleure équipe d'Europe, mais on se bat bien, on joue bien le ballon, mais par contre devant, on est trop instable, on n'a pas l'instinct de tueur devant les buts, hein, c'est pas possible. Comme je dis, je respecte Mohamed Bayo, mais je doute énormément de lui. Voilà, je doute énormément de lui, je doute énormément de plusieurs joueurs. Et puis voilà, il y a deux joueurs qui m'ont assez agacé aussi, c'est Rasul Ndiaye notamment, hein, puisqu'il a pris encore une fois un rouge très inutile à Reims. Je pense à Samuel Grand-Cyr qui a chopé plus de cartons rouges que de buts cette saison. Donc voilà, il y a de quoi se poser des questions aussi sur ça. C'est que le HAC a pris trop d'expulsions, trop de cartons rouges aussi dans cette phase aller. Il va falloir se calmer, voilà. Parce que à force de prendre des rouges, bah on suit, on a beaucoup de mal dans les matchs. Et on se dit aussi des fois qu'on arrive même à réaliser à 10. Donc on est en train de regretter, de se dire, mais mon Dieu, pourquoi on n'est pas à 11? Parce que si on est à 11, on arriverait beaucoup plus à leur faire de mal. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le foot, c'est pas toujours facile. Voilà, il y a toujours des petits pépins, il y a toujours des petits moments de difficulté. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime le foot. Maintenant, si on me demande est-ce que le HAC doit recruter absolument sur ce mercato d'hiver, je vous dirais pas nécessairement parce que c'est important
de garder une cohésion de groupe, garder les mêmes joueurs, parce que pour le moment, ce qu'on a fait, ça a été plutôt efficace, ça a plutôt bien marché. Donc non, il faut rester concentré sur ce qu'on sait faire, sur nos capacités. Et je pense qu'avec l'effectif actuel, on a les moyens de se maintenir. Voilà, je vais y venir d'ailleurs de ce que je pense et de ce qui va se passer pour moi en deuxième partie de saison. Mais en tout cas, si il y a un joueur qu'on pourrait essayer d'aller chercher, c'est potentiellement un attaquant. Voilà. Je le dis très souvent, un attaquant, parce que effectivement, je trouve que c'est un poste où, voilà, on n'a pas un excellent numéro 9. Et j'attends toujours ce fameux numéro 9, parce que Mohamed Bayo, voilà, je le rappelle, il est seulement prêté et on peut pas dire que ça fasse réellement l'affaire, puisque bon, c'est pas exceptionnel. Son meilleur match c'était à Toulouse et après, ben voilà, il y a eu le but contre Clermont et il n'y a rien eu derrière. Enfin, personnellement, Mohamed Bayo, ça s'arrête un peu à là. Après voilà, il y a le jugement André Ayew. Voilà, je peux pas trop encore le juger parce qu'il a très peu joué encore André Ayew, donc à voir ce que ça peut donner aussi sur la deuxième partie de la saison. Deuxième partie de saison, quelles sont mes attentes? Je vais vous les donner. Alors déjà, évidemment, c'est de poursuivre sur ce qu'on a fait lors de cette phase aller. Avoir de quoi se maintenir, se battre jusqu'au bout. Ça va pas être une deuxième partie de saison facile, hein, puisque ça y est, le côté plaisant, le côté de bonheur de la montée, ça y est, c'est comme s'il était effacé. Maintenant, c'est la Ligue 1. Maintenant, deuxième partie de saison, c'est là où réellement les équipes vont être le plus en forme, hein. Ça va être extrêmement difficile, la bataille jusqu'au bout. Le prochain match des Ciel et Marines, d'ailleurs, c'est dimanche prochain à 14h30 face au Stade Malherbe de Caen pour un derby, pas comme les autres, puisque c'est des 32e de finale de Coupe de France, un match à élimination directe. Là aussi, pour moi, ça va être important pour le HAC d'essayer de faire un bon parcours en Coupe de France cette année. Je ne dis pas qu'on va gagner la Coupe de France, bien évidemment, mais ça serait intéressant d'aller, voilà, chercher un quart de finale, ou un huitième de finale à la rigueur. Tout dépend, évidemment, les adversaires. Bien sûr, si on perd contre le PSG, j'en voudrais moins que si on perd contre Thonon, les Bains ou je ne sais quoi. Enfin, c'est un exemple. Voilà. Même si affronter effectivement des équipes de petite division, c'est extrêmement difficile. Je pense que tout fan de football le sait. La Coupe de France est une compétition extrêmement serrée, extrêmement difficile. Premier match ensuite de la phase retour de Ligue 1 Uber Eats, ce sera le dimanche 14 janvier. Pour cette rencontre contre l'Olympique Lyonnais, on enchaînera avec Lorient, avec Monaco, avec l'accueil de Rennes, le déplacement à Lille, et puis voilà, tout ce qui s'ensuit jusqu'au dernier match de la saison. Le dernier match de la saison pour les Ciel et Marines, d'ailleurs, ce sera contre l'Olympique de Marseille à domicile. Donc autant vous dire que ça serait bien de se maintenir avant la dernière journée. Est-ce que le HAC en a les capacités? Évidemment que oui. Alors, en gros, pour faire le bilan de cette vidéo de la mi-saison, je suis fier des joueurs. Bien évidemment, parfois ils m'ont agacé, parfois énervé, parfois je me suis dit qu'on pouvait largement faire mieux, mais je les aime toujours et j'ai toujours confiance en eux, puisque ben, cette première partie de saison, ben, c'est le kiff assuré. Je veux dire, on kiffe regarder les matchs. Alors bien sûr, il y a toujours des moins bons et des meilleurs matchs. C'est évident, c'est le football, on ne peut pas toujours être en haut. Mais en tout cas, je me suis fait plaisir sur cette phase aller en suivant le hack et j'espère que ce sera le cas pour la phase retour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. C'était la dernière vidéo d'ailleurs de l'année civile 2023. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2024. Salut et on se retrouve dimanche pour le match contre Caen. Salut!